Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le coin d'Itacoma. Donc ici, comme d'habitude, nous allons débriefer les prestations de nos deux cosplayers des deux dernières sessions. Enfin, de la dernière session. Nous avons avec nous, du coup, Delphine Sirène Cosplay et Senshi no Cosplay. Bonjour à vous. On salue Mediaprot qui est à la réalisation. Et on peut faire un léger coucou à Kogenta qui glande en coulisses. Ah, ça y est, il est encore de là. Ah. Et voilà, agression, mesdames et messieurs, d'un chat noir, apparemment. Bon, d'accord. Bon, désolé de ce petit incident. Donc, voilà. Hein. Donc, on va commencer d'abord le concept, hein, je vous rappelle. Donc, ça va se dérouler en deux parties. D'abord, on va revenir sur ce qui s'est passé dans l'émission. Et dans une deuxième partie, on va s'intéresser à vous. Pour tout connaître de vos vies jusqu'au code de vos cartes bleues. Pas besoin d'avoir peur. Donc, déjà, juste, comment allez-vous ? Ouais, ça va. Ça va bien ? Ouais, ça va bien. En forme ? Ouais, la forme, ouais. Et ben voilà. Et toi, comment ça va ? Ça va bien aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup du tournage, de l'émission et tout ça ? Ben, c'était une expérience plutôt marrante à faire. C'était la première fois que je participais à ça. Jamais de trucs dans le même genre, vraiment première fois ? Vraiment première fois. Écoute, ça s'est très bien passé par rapport à... Parce que j'étais là, hein, du coup, hein, ça s'est très bien passé. Et pour toi ? Ben, en fait, je suis dans le même cas que mon partenaire de tournage, dirons-nous. C'est en bon terme. Voilà, donc oui, pareil, première fois, en fait. Je suis plutôt une cosplayeuse, on va dire, timide, qui ne se prend pas en photo, donc... Tu peux déstresser, t'inquiète pas, oui. Tout va bien se passer, personne va te manger. Je fais ce que je peux, hein. Donc, bah, je vous propose de commencer la première partie où on va faire une interview correspondant au cosplay millionnaire. Donc, toi, tu nous as fait un cosplay de Kaito Kid, de Détective Conan. Donc, première question, pourquoi ce cosplay ? Parce qu'il pète la classe. Oui, réponse rapide. Si tu veux développer, n'hésite pas. Hein. Non, en fait, j'aime beaucoup ce personnage. Bon, il y a plein d'autres personnages que j'aime, hein, évidemment. Mais déjà, de base, je fais partie des fans de Sherlock Holmes et d'Arsène Lupin. Évidemment, il y a forcément lu les livres. Et quand on voit un personnage qui apparaît dans une série de détectives où il incarne le Arsène Lupin japonais, qu'il a trop la classe, il est en blanc, il est loin d'être timide, il change du code des voleurs traditionnels en fait. C'est le seul voleur que j'apprécie, hein, parce que techniquement j'aime pas les voleurs. C'est le perso qui est vraiment attiré, quoi. C'est vraiment le personnage en lui-même, il est aussi très mystérieux. Il est moins du coup dans sa propre série, parce qu'il a sa propre série, où on découvre un personnage qui en fait a une quête, qui est un personnage, en fait il n'est pas, en fait le but de Kaito c'est qu'il n'est pas prise de tête, c'est un gamin de 17 ans, qui lui, sa passion c'est la magie, il idolâtre son père qui est décédé, et lui tout ce qu'il veut c'est s'amuser, et plus tard devenir un grand magicien, c'est son objectif. Bah écoute, c'est suffisant comme raison, c'est déjà pas mal. C'est tout à fait ça. Et quand il devient Kaito Kid pour trouver les meurtriers de son père, et la raison de pourquoi il est mort, au début, son objectif c'est donc de trouver les meurtriers, de trouver Pandora et tout. Mais en fait, il s'éclate tout simplement. Il fait des spectacles de magie qui ravissent le Japon en entier, voire même... au-delà, hein, carrément à l'international. Donc c'est ce que se produit le personnage qui t'a plus attiré vers lui. C'est ça, il est magique, en fait. Voilà, un personnage magique, qui dit mieux. Mais c'est pas magie, la magie comme on l'entend, on claque des dents, on fait apparaître un truc, c'est un illusionniste, c'est un personnage qui est totalement crédible dans notre univers, parce que des illusionnistes de talent, il y en a plein, comme Houdini, et bien d'autres. Et en fait, il est crédible. On sent que tu aimes beaucoup le personnage. J'aime beaucoup le personnage. La seule chose qui n'est pas crédible, c'est de transformer sa cape en deltaplane. Oui, bon, ça, c'est dans plein d'animés, c'est la même. Du coup, Senshi no Cosplay, toi, tu nous as fait Eddie Riggs, petit star du rock. Donc, dis-nous tout, pourquoi ce cosplay ?
Ben, c'est en grande partie en regardant les let's play de Bob Lennon sur le jeu Brutal Legend. Du coup, j'ai bien aimé le personnage de Eddie qui est attachant, qui est voilà, qui veut et surtout qu'il est calqué sur le personnage, sur l'acteur Jack Black que j'apprécie beaucoup, surtout dans les films comme Gulliver ou Tenacious D. Le pic du destin. J'aime bien cet acteur, j'aime bien le personnage, et surtout quand il est doublé en français par Christophe Lemoine, la voix française d'Eric Cartman. Et que, ouais, j'aime bien tout. Il est badass, il est cool. C'est surtout en grande partie à cause de Brutal Legend que j'ai découvert une passion pour le heavy metal. Ouais. D'accord, donc c'est une passion que toi-même tu as déjà. Que j'ai développé, que j'ai fini par découvrir comme Tenacious D, Dragon Force et d'autres morceaux. Ouais. Et du coup, dans ton univers, parce que je ne connais pas l'univers, mais je suppose qu'il y a beaucoup d'autres personnages, pareil, stars du rock, qu'est-ce qui a fait la différence et que tu t'es vraiment concentré sur lui ? Bien, c'est pas seulement sur Eddie que je me suis concentré, surtout que dans Brutal Legend, il y a des figures telles que Cal Gaze, le partenaire de Jack Black, du Tenacious D, mais aussi, surtout des figures emblématiques du rock et du heavy metal comme Ozzy Osbourne, qui incarne le gardien du métal, et le Killmaster, qui est inspiré de Killmister, ouais. D'accord, bah écoute, c'est une très bonne raison. Du coup, là, on va passer à vos cosplays purement et simplement. Du coup, combien de temps de confection ou de customisation pour ton cosplay ? Cela comprend tenue, wig, accessoires. J'ai mis environ 4 semaines à réaliser mon cosplay. En fait, à l'origine, je l'avais acheté tout fait, mais il est arrivé beaucoup trop petit. Donc je l'ai renvoyé et je suis passée au système D. Donc grâce à une plateforme très connue d'achat en ligne, que nous ne citerons pas, j'ai acheté un costume d'homme qui est arrivé beaucoup trop grand pour moi. Sauf que pas le temps de le renvoyer, d'en prendre la taille en dessous. J'ai donc complètement raccourci les manches, raccourci le pantalon, j'ai resserré au niveau de la taille du dos la veste. J'y avais acheté un chapeau claque que j'ai peint et que j'ai recouvert ensuite de tissu, donc j'ai full custo. J'ai acheté du tissu pour faire la cape que j'ai entièrement cousue à la main parce que flemme de sortir la machine à coudre, vraiment. Et pour le monocle, je l'ai acheté, je l'ai customisé, donc le petit pendant qui pend, c'est moi qui l'ai fabriqué. Les attaches au niveau des épaules de la cape, c'est moi qui les ai fabriquées grâce à mon imprimante 3D. Et mon pistolet, je l'ai également complètement modélisé et imprimé. Parce que oui, je fais de la modélisation et de l'impression 3D. Que j'ai imprimé, que j'ai poncé, que j'ai peint, que j'en ai chié. Oui, d'accord. Et tu t'es donné à mort. Voilà, et la perruque, je l'ai finie hier matin. Ah, bah c'est bien, voilà. Et bien, voilà, c'est bien, t'es pile dans les temps. T'as vu ça ? Et donc, même question pour toi, c'est une chine de cosplay, combien de temps de confection, customisation ? Ben, c'est plus une question de patience que de. Concernant l'achat, que la réception, que la préparation, parce que mon cosplay était plutôt simple, il fallait juste commander les éléments, soit sur internet, soit en boutique, voilà, sur place dans Paris. Du coup, les chaussures, les poignets, la ceinture commandée sur internet, même que le t-shirt également, Sucoria, ouais, qui est, attention spoiler, la mère d'Eddie Riggs dans le jeu. Oh. Ouais, parce que c'est qu'à la fin qu'on découvre qu'il porte ses couleurs, voilà. Et quant à la wig, c'était vraiment juste parce que je suis parti dans une boutique où je cherchais une perruque aux cheveux lisses parce que avant j'avais pris une autre perruque pour incarner le personnage, mais ça allait bien, c'était des cheveux longs mais c'était bouclé, c'était ondulé, non ça allait pas du tout avec
Non, ça collait pas avec le concept de métalleux. Du coup, j'ai fait une nouvelle wig qui me satisfait du résultat. Bien lisse, les cheveux longs, voilà. Bah en tout cas, le cosplay rend bien. C'est très sympa. Merci. Du coup, est-ce que vous avez une anecdote sur vos cosplays? Donc, bah, à part toi, du coup, qui viens de nous le dire, du coup, que tu as terminé ta... Je sais même plus ce que tu as terminé hier, du coup, la wig. Oui, la perruque, c'est la première fois que je coupais une perruque également et que mes ambitions. As-tu une autre anecdote dessus? Voilà. Faut que je la refasse parce qu'elle est moche. Donc non, j'ai pas d'anecdote en particulier. Si, j'ai poussé le vice, j'ai acheté les chaussettes bleues aussi, je les portais tout à l'heure hier. Donc j'avais le cosplay full. Une autre anecdote sur ton cosplay? Au final, non, pas particulièrement, juste qu'il était complet en passant par les gants jusqu'aux chaussettes bleues. Voilà. D'accord. Mes questions, hein, parce que j'aime bien innover. Ben, pas d'anecdote non plus, à part que la première fois que j'ai commencé mon cosplay, j'ai commandé un veston qui était un peu petit, en cuir, c'était plus du caoutchouc que du cuir en fait, rien à voir avec l'autre que je porte là tout à l'heure. Et c'était des fausses poches, c'était vraiment petit, serré, c'était vraiment... Même la perruque là, franchement, fallait vraiment que je retravaille ce cosplay. D'accord, ok. Du coup là on va s'intéresser à votre prestation. Donc... La question, ça va être pourquoi cette prestation? En plus, c'est vrai que d'habitude, je vois avec les candidats pour les prestats. Là, du coup, sur le principe, là, j'avais rien du tout. Vous saviez déjà ce que vous vouliez faire. Donc, du coup, pourquoi cette prestation? Pourquoi me faire disparaître? Ben, déjà, quand Cog m'avait demandé de réfléchir à ce que je voulais faire, alors. Puis, comme je t'avais déjà rencontré, qu'on avait discuté et que tu m'avais dit très clairement que tu ne voulais pas que je change tes vêtements pour t'habiller en fille, j'ai pris l'autre option en fait. Oui, ça ressemble bien, monsieur. Effectivement. Du coup, pour toi, pourquoi cette prestation? Pourquoi vouloir absolument me cramer la tronche alors que moi je voulais juste écouter de la musique gentiment? Eh bien, Phantom K m'avait proposé un concept pour faire comme au début de Brutal Legend où un des méchants se fait électrocuter. Moi j'avais penché cette idée, mais il a pensé que le cramer serait plus impressionnant. Eh ben, nous ne remercions pas Phantom K. De rien. Je ne te remercie pas. Alors, du coup, ça c'était la partie émission, donc, mais là on va partir de la partie hors émission et se concentrer sur vos vies. Et là vous pouvez commencer à avoir peur. Il y en a une qui a peur, un qui s'en fout royalement. Un beau petit contraste. Du coup, toi, Delphine Sirène Cosplay, dis-nous, depuis combien de temps fais-tu du cosplay? Alors, j'ai commencé le cosplay à mes 18 ans. J'en ai 36. Je te laisse faire le calcul. D'accord, 18 ans. Voilà. J'en ai pas fait pendant presque 7 ans. Mais j'ai eu une grosse pause, on va dire. Mais c'est souvent qu'avec les candidats qui font du cosplay depuis longtemps, ils ont eu des pauses pendant assez longtemps. C'est tout à fait ça. J'étais partie plus du coup sur le médiéval fantastique, en fait. Et surtout, quand j'ai développé mon entreprise, le but était de pouvoir exposer sur des salons médiévaux fantastiques. Donc, je suis restée plus sur ces costumes-là et sur le steampunk. Et je me suis remise dans le cosplay, en fait, pour rendre service à une amie qui avait eu des très gros problèmes dans sa vie, et le cosplay l'aidait à en sortir. Et j'ai accepté de la réaccompagner à la Japan Expo, et on a fait cette année-là Edouard Elric et Winry. Et le fait qu'elle ait retrouvé le sourire m'a donné envie de refaire un peu de cosplay. J'ai retenté l'année suivante avec Chat Noir, et le fait est que j'ai rencontré du coup Kogenta et Candy aussi. Ah, sur du Miraculous, quelle surprise. Je ne sais plus lequel des deux m'avait dit que mon cosplay était très joli. Et je n'avais eu que des bons compliments malgré le fait que je sois une personne en surpoids. Et du coup, ça m'a redonné un petit peu confiance en moi. Et ça m'a réconcilié avec le cosplay. Bah, c'est une belle histoire. Voilà. Et donc pour toi, c'est Chino Cosplay, depuis combien de près tu au cosplay? Eh bien, j'en fais depuis 4 ans. D'accord. J'avais fait
avant de commencer le cosplay, j'allais souvent dans les conventions, je regardais mes amis en cosplay, et au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi j'essaierais pas moi ? Pourquoi pas moi ? On est tous passés par là. Alors du coup, j'ai commencé par un cosplay simpliste, vu que, pour être honnête, je n'ai pas de compétences en crafting, je ne sais pas créer une armure ou une arme et tout ça. Du coup, j'ai commencé par quelque chose de plus simple, qui était à ma portée. J'ai commencé par un kimono, un bandeau rouge, des gants de karaté, et c'est comme ça que je me suis fait mon premier cosplay. Ça a été Ryu de Street Fighter. C'est bien, et en plus il me devance, c'est bien, c'était ma prochaine question. Quel a été ton premier cosplay? Eh ben voilà, Ryu, et ben voilà, c'est parfait tout ça. Ouais. Est-ce que t'en étais content? Ouais, ça va, le résultat était, disons, ça valait le coup, mais il fallait l'améliorer un petit peu. J'ai commencé à porter la wig, je me suis renseigné sur le bandeau, un vrai bandeau à mettre autour de mon front, autour de ma tête, et puis je me suis mis à aller à Harajuku la dernière fois. Là, j'avais fait une petite presta et mes amis m'ont dit que c'était bien, que ça m'a galvanisé, ça m'a encouragé à continuer le cosplay. Et là, j'ai voulu essayer d'autres univers comme Dragon Ball, One Piece, Brutal Legend et récemment Kirito de Sword Art Online. Ouais. Alors celui-là de cosplay, je veux bien le voir, j'adore Kirito. C'est possible de le voir, hein, ouais, sur TikTok. Ah, on verra ça après. Demi. Donc du coup, même question, hein. Quel est le premier cosplay? Vas-y, essaie de te rappeler. Ah, je me souviens très bien de mon premier cosplay, c'était Duo Maxwell de Gundam Wing. J'aimerais bien te dire que je connais, mais je ne connais pas du tout. C'est une série de mechas, avec des mechas en fait. En fait, Gundam est une série extrêmement longue, avec plusieurs reboots et re-reboots et re-re-re-reboots à volonté, à chaque fois avec une histoire différente. Donc on part du principe que c'est la Terre qui se tape contre les colonies spatiales à coups de Gundam, voilà. Voilà, j'aimais bien le personnage parce qu'il était assez féminin en fait. Et j'ai taxé les fringues de mon père pour le faire. Pourquoi voilà. Pas, tant qu'à faire. donc voilà, c'était mon premier personnage, mon premier cosplay. Et j'avais mis des lunettes noires pour pas m'embêter avec le maquillage parce qu'il portait des lunettes. Oui, bah écoute, c'est un moyen d'être tranquille, effectivement. Du coup, au bout de tant d'années de cosplay, hein, donc surtout toi, combien en as-tu? On va comprendre dedans tout ce qui est médiéval fantastique avec. Ah. Ah oui, alors on y va en total. Ok. C'est-à-dire alors, là, ça comprend les tenues. Voilà, donc en tant que... On va commencer par le manga. Bon, j'en ai pas tant que ça, en fait, parce que bah, celle du duo, je ne l'ai plus, vu que c'était les vêtements de mon père. Logique. J'ai fait beaucoup Edward Elric sur plusieurs années. Beaucoup d'années. J'ai fait Yuna de Final Fantasy. J'ai fait Missa Mani de Death Note. J'ai encore fait Edward, beaucoup Edward. Et Chat Noir, du coup. Récemment, Catwalker, qui est l'autre version de Chat Noir. Et là, en exclusivité, j'ai fait mon Kaito Kid. En fait, donc voilà, je me tenais à cœur, ça faisait des années que je voulais le faire et j'osais pas. Et là, j'ai franchi le pas. Voilà. Ah, tu l'as fait en exclusivité pour nous. C'est ça. C'est bien. Et tout ce qui concerne le médiéval fantastique, on va dire que c'est plutôt des morceaux que j'assemble suivant mes envies, en fait. Comme une garde-robe normale où on met une chemise avec un pantalon. Donc en costume, plein costume, on va dire que j'en ai 2-3 steampunk. Je dois en avoir à peu près 3 ou 4 médiévales fantastiques, et en plus là je travaille sur 2 nouveaux costumes. Et j'ai un costume historique viking du 13e siècle que j'ai cousu de mes petites mains. Et puis j'ai un costume de zombie. Voilà. Oui, ça tranche un peu, mais ok. Voilà. D'accord. Mais même costume pour toi, combien en as-tu au bout de ces 4 années? Alors, comptez Ryu, les filles, les Oubes en tenue de Son Goku, Kirito de SAO, et Spider-Man, Miles Morales. D'accord. Plus
un OC que j'ai créé avec, avec des armes issues d'autres jeux vidéo, d'autres licences et un masque Oni japonais. Ça nous fait 6 cosplays en tout. 6 cosplays, t'es un peu plus de 1 par an, ce qui est... Ah non, pardon, 7 avec mon cosplay, mon OC de Harry Potter. Ah bah 7, ouais, t'es presque à 2 par an, c'est un bon ratio déjà. Et j'ai oublié, j'ai 2 cosplays de Spider-Man version fille aussi. Voiture. Comme si on avait déjà pas assez dans... Et j'ai Ladybug aussi, tant qu'à faire. Bon, voiture. Évidemment, je suis surpris. Du coup, tes prochains projets cosplay, dis-nous tout. Si tu veux, t'es pas obligé. Si tu veux garder certains la surprise... Eh bien, mes prochains projets, ce serait d'améliorer mon Kirito, que je vais continuer, parce que je vais l'ajuster un peu, parce que quand je l'ai commandé, il était un petit peu grand, du coup, je vais le réajuster. J'ai commandé les chaussures, j'ai plus qu'à attendre. Les épées, et tout ça. Et aussi, je projette, si Agnès le veut bien, de faire Astérix. Oh, sympa ça. La version dessin animé ou version version spécifique d'un des films? Une version spécifique inspirée de la licence XXL où il est un peu plus où il a un côté un peu plus warrior, comme une mitaine à la main, des cheveux plus hérissés, enfin ça permet, bref, un peu plus baroudeur. D'accord, ok. Ouais, il a l'air très sympa celui-là. J'ai hâte de le voir celui-là. Et du coup, même question pour toi. Tes prochains projets? Alors, j'ai plusieurs projets. Déjà, j'aimerais faire mon personnage que je joue dans Genshin Impact, qui est le voyageur, justement. J'ai déjà perdu son vrai nom d'origine. Que moi... Comment t'as dit? Aizer. On a un pro derrière. Voilà. Que moi, j'ai appelé Lou, parce que c'est le diminutif de mon surnom, en fait, tout simplement, qui est à l'origine Lumina, tout simplement. J'aimerais faire Natsu de Fairy Tail, mais également Zelef de Fairy Tail toujours. Donc quelle version? Ma version, la version en noir. Non, pas la version blanche. J'ai pas le courage de faire les ailes. Dommage. Voilà. Et un jour, j'aimerais faire Kirito aussi, mais la version féminine, celle dans le monde avec les armes. J'ai perdu le nom. C'est Gun Game Online. Ouais, je voilà, crois. Gun Game Online. Un jour, peut-être. Oui, et aussi, pardon si je te coupe, j'aurais voulu faire une armure de Link qu'il porte dans Iron Warriors, l'ère du fléau. Je vois pas du tout à quoi correspond. Par contre, le monsieur derrière sait à quoi correspond. Il montrera l'image, t'inquiète pas. C'est ça. J'aimerais faire aussi une des versions de Spider-Man dans No Way Home, celle où il a les métalliques par-dessus son costume en tissu. Oh, c'est plus compliqué. Elle est très belle. Et pour le coup, c'est un cosplay que j'ai mis en pause, que j'ai commencé mais que je n'ai jamais terminé. Justement, la tenue du prodige de Link, où je galère avec l'épée. D'accord. Voilà, j'ai tout le cosplay, j'ai plus que l'épée à finir et à faire le bouclier. D'accord, et ben écoute, vous avez de beaux projets devant vous. Donc, autre question qui n'était pas prévue, mais j'en ai rien à foutre. Du coup, est-ce qu'il y a une histoire derrière vos pseudo-cosplays? Vas-y, beaucoup. Allez, on va commencer par toi. Je vais vous lire les dames d'abord, mais... Ouais, mais voilà, on va commencer, voilà, je change. Allez, hop, à toi, allez. Au début, je galérais un peu à trouver un surnom, vu qu'il y en a qui ont des surnoms comme Kirito Cosplay, un de mes amis qui a fusionné son prénom Kevin avec Kirito Cosplay, ou encore Curtis Phantom K. Là, j'ai un peu galéré, j'avais commencé par Yami no Ryu. Littéralement le dragon des ténèbres, vu que mon prénom Yamiru, si on enlève le suffixe ru, ça donne Yami, ténèbres. Mais du coup, je me suis ravisé, non, ça faisait trop, non, voilà. Du coup, j'ai voulu voir un peu plus un autre concept, vu que je suis un fan de la culture japonaise, les mangas, les histoires, notamment les samouraïs, je me suis trouvé un nom, Senshi,
qui veut dire guerrier ou mercenaire en japonais, étant donné que dans les jeux vidéo j'incarne souvent un guerrier, ou aussi dans les MMO comme World of Warcraft, je choisis toujours la classe guerrier, donc c'est en baisse sous sens que je choisisse de me faire appeler Senshi no cosplay, le guerrier du cosplay, Senshi. Eh ben écoute, c'est très sympa en tout cas d'avoir entendu ça, et de savoir vraiment le vrai truc derrière là, le cosplay, c'est très intéressant. Du coup, même question pour toi. Ça me fait sourire. Tu as quel âge ? J'ai 28 ans. D'accord. Ça me fait marrer parce qu'en fait, la réflexion que tu as maintenant par rapport à la recherche de ton pseudo, c'est une question que moi j'avais quand j'avais 18 ans, du coup, où je cherchais aussi un nom quand j'ai commencé le cosplay. Donc j'ai commencé avec Lumina. Ensuite, je suis passée à Shinigami. Ensuite, je suis passée à Lumina Shinigami. C'était très compliqué. Et en fait, plus on vieillit, plus on se rend compte que ce genre de choses, en fait, n'a pas d'importance et qu'on veut être reconnu pour soi-même. Du coup, exit les surnoms. Au fil du temps, c'est devenu Delphine. C'est mon prénom. Parce qu'il est très joli, que j'adore sa signification, que mes parents l'ont très bien choisi. Et que maintenant, en fait, je ne signe plus avec un pseudo d'artiste. Maintenant, dans le monde professionnel, le pseudo d'artiste, il compte pas. C'est le nom, le vrai nom de la personne qui compte. Et par rapport à mon travail et à mes passions, c'est resté Delphine. Et pourquoi sirène et cosplay ? Bah, cosplay pour le cosplay, pour les costumes. Sirène, parce que je suis une pratiquante du mermaiding. D'accord. Eh ben, je suis très satisfait de ma question, hein. Parce qu'en tout cas, du coup, on a... T'étais obligé de la trouver sur la dernière, celle-là. Eh ouais, excuse-moi, hein. Il y en a qui continuent de travailler jusqu'à la fin. Surveille, tu passes bien ton temps, justement. Du coup, là, un petit instant pub. Du coup, vous pouvez nous dire sur quel réseau on peut vous retrouver, et surtout sur quel réseau principal, hein. Donc, commencez d'abord par votre réseau principal, qui s'affichera magiquement en dessous de vous pendant que vous en parlerez. Et vous pouvez aussi citer deux, trois autres réseaux sur lesquels vous êtes présent, le pseudo. Alors, moi, j'ai deux noms, parce que, comme j'ai dit, je suis également une professionnelle de l'impression 3D, de la modélisation 3D, de l'impression 3D, où je fabrique donc des accessoires pour d'autres cosplayers, hein. Et du coup, vous me retrouverez sous le nom de Delphay, donc D-E-L-2-F-E-Y, et pas P-H. Sur Instagram ou Facebook ? Sur Facebook et sur Instagram, les deux, tout simplement. J'ai un site web aussi, mais pour l'instant, il est en pause. On peut me contacter pour me commissionner aussi bien en tant que figurine que de création de costumes, il n'y a pas de problème. Je réponds en général assez vite, en général, pas toujours. Et sinon, pour les passions, donc c'est Delphine Sirène et Cosplay sur Facebook et sur Instagram. Et sinon, truc vraiment pour tout ce qui est fan art et tout ça, comment je l'ai appelé déjà mon truc ? Atelier Nicodel. T'as l'air d'y aller souvent celui-là. J'y vais très rarement, mais dessus, il y a par exemple mes fan art sur Miraculous. Voilà. D'accord. Et sinon, j'ai un Art Station aussi, qui se trouve au nom de Delphine Guénifet, tout simplement. Voilà, bon bah si vous voulez aller suivre son travail, vous allez où est-ce qu'elle vient de vous dire, c'est tout. Et à toi, Senshino Cosplay, où est-ce que peut-on te trouver ? Eh ben, on peut me trouver sur Facebook, Instagram et surtout TikTok. C'est la plateforme où je suis le plus actif quand je fais du cosplay, du doublage amateur ou du... Voilà, quand je refais des scènes comiques, voilà. En fait, sur Facebook et Instagram, en fait, je n'ai pas seulement un compte chacun, mais deux comptes, quatre comptes au total, dont sur Facebook les deux, dont un que je gère en solo, Senshi no Cosplay, et un autre que je gère avec un groupe d'amis qu'on a formé, la Spider Force, dont l'activité principale est de l'organisation d'événements comme les anniversaires, les événements, par exemple, ou les sorties, quand on se réunit dans les conventions, quand on fait des groupes ensemble, des shootings, mais surtout quand on nous recommande pour animer les anniversaires des enfants, parce que c'est surtout notre activité qu'on aime, redonner du plaisir à des enfants, tout ça, faire sourire les parents, et voilà. La Spider Force sur Facebook et aussi sur Instagram. Senshi no cosplay, Senshi-no-cosplay et la Spider Force, tout attaché,
Enfin, il faut que je revoie encore si c'est vraiment comme ça, parce que... T'inquiète, on a aussi, ça sera fait, on post-prod, t'inquiète pas. Aussi, pour nous reconnaître, on a aussi un hashtag SpiderForce toile d'araignée, pour nous distinguer des membres, tout ça. On essaie de s'organiser là-dessus, donc s'il y a des gens qui veulent nous contacter pour... Parce que j'ai déjà fait ce genre de mission, une fois pour dépanner le petit frère d'une amie, et aussi avec une autre association de cosplayers, AMVF Cosplay, que j'ai beaucoup apprécié leur donner un coup de main pour l'anniversaire de notre enfant. Et j'ai bien kiffé ces moments-là. Voilà. Et sur TikTok, senshi-no-cos, senshi-no-cos, où comme je l'ai dit, je fais du cosplay, du doublage, de la comédie, des scènes comiques, tout ça, parce que moi, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien faire rire les gens, m'a donné dans ma passion, et j'aimerais en faire mon... Le doublage, j'aimerais vraiment en faire mon métier, et je me donne tous les moyens possibles si on me donne l'occasion de le faire. On sent la passion quand on parle. Comme par exemple, j'arrive à faire, à recréer des voix, comme les onomatopées de Link, ou la voix du bouffon vert dans Spider-Man, ou encore, j'ai récemment découvert que j'arrivais à recopier la voix de Monsieur Mackay dans South Park, ou... Jean-Pierre Polnareff dans Jojo's Bizarre Adventure. D'accord. Et bah du coup, tous les spectateurs, hein, si vous voulez aller suivre son travail, hein, vous allez là où il vous a dit d'aller. Je pense que je vais te mettre en relation avec des gens qui vont t'intéresser dans ce cas-là, vu que moi aussi je connais des comédiennes de doublage. Ah bah c'est gentil, merci. Ah, vous voyez, il faut venir au Cosplay Millionnaire, on se crée des relations. Bon, et ben en tout cas, je vous remercie à vous deux. Ça fait un plaisir de vous avoir sur l'émission, en tout cas, ici et pendant tout le Cosplay Millionnaire. Un plaisir partagé. Merci. On remercie Mediaprod encore qui est à la Réal et toujours l'autre dans ses coulisses. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain coin d'Itacoma. Donc, ciao ciao! Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ne rien rater de nos prochains contenus, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Pour regarder la prochaine session, cliquez là. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit j'aime et à commenter juste ici. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle session du Coin d'Itacoma. Au revoir.